Je pratique du CC Foot depuis 2019, ça fait 4 ans. Je suis en équipe de France Espoir et j'espère jouer par l'Olympique l'année prochaine. On a commencé par expliquer tout qu'est-ce que c'est le CC Foot. Après, on avait fait les passes, la conduite de balle, tir au but. Et à la fin, ils ont posé des questions sur l'handicap ou sur le sport elle-même. En fait, le CC Foot, c'est foot à 5. Hein. Les 4 joueurs ils sont malvoyants. Le gardien, il est voyant. Il est validé, il n'a pas de problème de vue. Du coup, le terrain il fait 40 mètres sur 20. Hein. C'est un terrain de hockey à peu près, handball. Et avec des barrières sur le côté, du coup, il n'y a pas de touche. Après, il y a les règles classiques, hein, penalty comme tout le monde. Enfin, comme foot classique, je veux dire. Avec quelques adaptations en plus. Et surtout, la balle, elle fait du bruit, en fait. La balle, elle fait du bruit, il y a des relais dedans. Il y a des petites plaques métalliques et ça tape dedans et du coup ça fait du bruit. Et avec ça, on peut jouer avec les adversaires, ils ont des signaux aussi, ils ont des codes en fait sur le terrain. Par exemple, ils doivent dire Voy, j'ai perdu, etc. Et avec ça, on peut repérer sur le terrain. Et on a aussi des guides. Comme j'ai dit, le gardien, il est voyant. C'est un guide, il est gardien d'abord, mais il est aussi guide, il peut communiquer avec ses joueurs dans sa zone défensive. Et milieu de terrain, c'est guidé par le coach qui est sur le côté. Et après, il y a dernière zone offensive, guidée par un guide qui est derrière les chaque cage adversaire. Et comment on peut le pratiquer en France, en fait, il y a plusieurs clubs. Et on a un championnat de France, Coupe de France. C'est un peu comme Ligue 1, Ligue 2, mais un peu moins développé, bien sûr, parce qu'on n'a pas autant les moyens. Et il y a une équipe de France Espoir, une équipe de France Nationale. Et il y a un championnat d'Europe, Coupe du Monde, qui est cette année en Angleterre, au mois d'août. Et du coup, c'est un sport en jeu paralympique. On prépare l'année prochaine. J'espère être sélectionné, je sais pas, on verra. Certes, c'est le sport, mais c'est surtout mettre tout le monde au même niveau. Pas séparer les gens, l'handicap ou même d'autres personnes. Hein. Même dans une classe classique qui ne sont pas des personnes en situation de handicap, il y a deux, trois personnes qui sont mises à part. On les parle pas trop, ils sont fait harceler, ou etc. Le but de l'inclusion, c'est ça, mettre tout le monde à l'aise. Et pas séparer les gens. C'est ça pour moi l'inclusion.